Qu'est-ce que je fais? Un grand Où est-ce que je vais? Oh là! Dans ma plantation, bien sûr. Mais je suis découragée. Je ne peux plus continuer le chemin. J'arrête là, je continue. Je suis découragée. Les changements climatiques. Est-ce que ma production va donner? Je ne pense pas. Qui est de l'extrême nord ici? Excusez, mais je sais une chose. Depuis que vous êtes parti de votre région Yaoundé, je suis sûre que vous y retournerez rarement malgré vous. Mais ne vous gênez pas, hein? C'est pas de votre ressort, mais c'est le problème des changements climatiques. Je dois vous dire une chose. Si vous fuyez votre région, si vous n'y retournez pas à cause des problèmes, ces problèmes vous suivront, je suis sûre, jusqu'au dernier retranchement. Je vais m'expliquer. Les changements climatiques posent d'énormes problèmes. Mais avant de vous expliquer ce problème, qui sait ce que c'est que les changements climatiques? Ne répondez pas. Je ne connaissais pas. Je vais vous expliquer. Voyons, quand on attend de la pluie et la pluie n'arrive pas, qu'est-ce que cela signifie? Quand le soleil, au lieu de faire 2 mois, fait 3 mois, fait 4 mois, fait 6 mois et plus, qu'est-ce que cela signifie? Je vous dis, quand l'eau de pluie laisse le lit du cours d'eau pour aller se réfugier dans les plantations des individus, pour aller se réfugier dans les habitations des individus, qu'est-ce qu'on appelle cela? Je savais pas, j'avais un public formidable. Vous êtes formidable. Je vais vous expliquer le problème. Voilà, la Banque mondiale a dit, dans les régions rurales au Cameroun, 80% de personnes pratiquent l'agriculture et l'élevage. Une agriculture à caractère familial, on ne cultive que pour manger. Une agriculture qui ne dépend que du soleil, de la pluie, du vent, des éléments de la nature. Je veux dire, du climat. Les conditions climatiques difficiles associées à la dégradation des terres rendent ce phénomène de plus en plus sensible. Prenons le cas de 2012. Je ne sais pas qui était à l'extrême nord en 2012, lors de l'inondation. Ce que vous avez vu, vraiment, ce que j'ai vu, c'est terrible. J'ai encore les larmes. Sur 28 arrondissements que compte l'extrême nord, vraiment. 11 arrondissements. 16 arrondissements inondés. Vous voyez ça? Dans le Mayo d'Anal, 11 arrondissements sur 11 inondés. Ouais. Vous voyez, le niveau de vie des populations touchées se trouve en dessous du seuil de pauvreté. Quelle image! Moi, si on me dit de vivre avec 200 francs par jour, je dis Seigneur, rappelle-moi. Rappelle-moi, Seigneur, rappelle-moi. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que la vie coûte cher. La vie coûte cher. L'insécurité alimentaire. Souvenons-nous, le 16 juin 2014, les chefs d'État africains se sont réunis lors du 23e sommet de l'Union africaine. Au centre de cette rencontre, ils ont mis l'insécurité alimentaire. Mais je vais vous faire une confidence. Vous savez ce que le secrétaire des Nations Unies a dit? J'ai nommé Ban Ki-moon. Si vous voulez résoudre le problème des changements climatiques, de la pauvreté, résolver le problème des changements climatiques, et le tout sera joué. Moi, je vous dis, je suis engagée à trouver la solution aux risques climatiques dans l'extrême nord camerounais. À côté de l'instabilité qui règne, à côté du Boko Haram qui y règne, la population a besoin de vivre. Yes, we can. À côté des efforts militaires, les efforts scientifiques ont besoin d'être faits. Et moi, je vais travailler dans l'extrême nord. Je travaille déjà dans l'extrême nord. Je vais trouver des solutions. Je trouve même déjà des solutions. Les solutions sont même déjà trouvées.
Comment j'ai fait pour trouver ces solutions? Je suis allée, j'ai exploré ce que les gens ont déjà fait. Suivez mon regard. Dans l'extrême nord, concernant les changements climatiques, j'ai regroupé les populations autour d'une même table pour débattre de ce sujet. Suivez toujours mon regard. Les populations masculines, en plus les jeunes, pour qu'ils me disent de quoi est-ce qu'ils souffrent. Comment est-ce que vous vivez le problème des changements climatiques? Quelles sont les mesures que vous mettez en place pour survivre dans ces conditions? Comment est-ce que vous faites pour vous en sortir? Ils m'ont dit, je me suis baladée dans l'extrême nord pour vivre de mes propres yeux comment ces risques sont. Et j'ai vu que dans l'extrême nord, la zone la plus touchée, c'est la zone qui se trouve au nord de l'extrême nord. La zone qui se trouve au sud de l'extrême nord est la zone la moins touchée où on trouve au moins une saison de pluie par an. Ces populations, j'ai trouvé que ces populations sont... Est-ce que vous voyez ça? Les terres sont dégradées. Les animaux meurent. Ils n'ont pas d'eau pour s'abreuver. Ils n'ont pas de quoi manger. Les animaux souffrent et les populations en souffrent. Le niveau de vie de la population est en baisse. Mais face à cela, la population ne reste pas les bras croisés. Ils trouvent quand même quelques solutions à leurs problèmes, mais ces solutions sont insuffisantes. Écoutez, voilà ce qu'il faut faire. J'ai vu ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire pour que ce problème soit résolu définitivement. Le gouvernement camerounais, les organisations internationales doivent se pencher sur ces problèmes. Ils doivent y construire des barrages pour permettre aux populations de faire de l'agriculture irriguée. Ils doivent permettre, à travers la construction des forages, aux populations d'avoir de l'eau pour abreuver les animaux, pour mener l'agriculture, pour arroser la production. Ils doivent permettre aux populations d'avoir à moindre coût les intrants chimiques pour faire de l'agriculture. Ils doivent former les populations sur les techniques de fabrication de la fumure organique bio. Ils doivent former les populations sur les techniques d'utilisation de ces engrais chimiques. Les semences améliorées qui sont importées et qui sont implantées dans ces régions ne sont pas adaptées. On doit avoir des semences améliorées, adaptées à la zone, qui sont expérimentées dans la zone et qui peuvent avoir des résultats satisfaisants. Vraiment, ce que j'ai dit, je sais qu'ils doivent faire. Je suis sûr qu'ils le feront. Ceux à qui je m'adresse m'ont suivi et ce sera fait. Là, j'ai retrouvé le courage. Je vais continuer mon bonhomme de chemin. Je m'attache.